drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulders, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in Mars. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, tough game. You know, Strasburg, top team in the league. You know, they have a great coach, they have a great organization, and I think we played them close, but you know, I feel like we could have won, but they're a good team, so they closed it out, and much respect for them. They're a good team. They have good offensive and defensive players. In my opinion, I think if they play the way that they play tonight, they can make the playoffs. Ouais, c'est en première mi-temps où ils ont beaucoup de shoots ouverts.
Et voilà, on est monté en intensité défensive sur la deuxième mi-temps, dans le troisième quart-temps surtout. Et à chaque fois, on avait le petit truc pour passer devant et on a loupé le lancer franc, on a loupé le panier, qui fait que voilà, derrière eux, c'est une équipe sereine. Ils ont gagné beaucoup de matchs d'affilée, ils gagnent en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est pas la première équipe du championnat de France pour rien. Donc voilà, ils ont l'expérience et ils savent comment gérer ces moments-là. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas utilisé les armes qui nous ont fait revenir dans le match en deuxième mi-temps sur la première mi-temps. Et c'est bien dommage parce que c'est probablement là-dessus qu'on perd le match. Les 5-6 minutes entre la 22e et la 28e auraient pu nous coûter cher là, quand ils reviennent à moins 2. On était vraiment un peu à l'arrêt, on a subi leur agressivité. Mais Antibes a fait un bon match. Hein. Je crois qu'ils étaient déterminés le fait de jouer contre nous. Déjà à l'entame, mais à l'entame on a vraiment... En mi-temps, on a vraiment bien joué. Et je pense qu'on était inspiré de l'avoir fait parce que Antibes avait une vraie volonté de faire le match et de nous battre. Et si on n'avait pas été prêt, comme on l'a été en première mi-temps, je pense qu'on aurait certainement perdu. Parce qu'Antibes a vraiment fait un bon match. Notre troisième quart-temps est exemplaire par rapport à la réaction qu'on doit avoir sur cette équipe-là. Et le niveau défensif qu'on propose à ce moment-là et le niveau qui doit être notre identité. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que les rotations qui rentrent à ce moment-là dans la partie apportent cette dimension défensive. Et c'est peut-être là-dessus qu'on a un petit peu baissé le pied. Donc il faut qu'on arrive à trouver au moins 7-8 joueurs qui apportent cette intensité défensive pour pouvoir tenir 40 minutes à ce rythme-là.